بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je m'adresse aussi aujourd'hui aux non-musulmans. Donc le sujet d'aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est très très important, car il va permettre de comprendre le sujet que je vais aborder très prochainement concernant les différentes mouvances qui divisent notre communauté. Mais j'ai trouvé plus judicieux de parler de la vérité. La vérité, celle pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Et cette vérité, c'est l'islam. Et elle comporte une croyance qui n'est pas contredite par la logique, car la vérité et la logique font de pair. Alors on est tous d'accord qu'il y a une seule vérité, donc c'est toute vérité et c'est toujours logique. Je vais donc argumenter toutes ces explications par des preuves logiques, ce qui profitera aux non-musulmans qui nous écoutent, Inch'Allah, et par des preuves islamiquement reconnues. Je vais commencer par un hadith du prophète, alayhi salat wa salam, qui signifie « Le meilleur des actes, c'est la croyance en Dieu et en son messager. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Cette croyance, elle englobe la connaissance en Dieu, en ses prophètes, les lois d'apostasie, etc., etc. On va y revenir plus tard, Inch'Allah. Mais on va parler tout d'abord de la croyance en Dieu qui est la base de notre croyance. Et cette science prédomine sur toutes les autres sciences. Le compagnon Jundub, fils de Abdullah, a dit ce qui signifie « Nous étions avec le prophète, pas encore pubère, mais nous en étions proches et nous avons appris la croyance avant d'apprendre le Qur'an. » C'est-à-dire tout ce qui est loi d'application. Puis nous avons appris le Coran, ce qui nous a renforcé dans la croyance. C'est d'ailleurs pour ça que l'imam Al-Ghazali a dit que l'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. Ah, donc on comprend que les adorations telles que Ramadan, la prière ou toute autre adoration, elle n'est pas valable qu'après avoir connu le Créateur, celui qu'on adore. Et ça, c'est logique. Et donc, la connaissance en Dieu passe par la connaissance de ses attributs. Ses attributs qui sont infinis, infinis, innombrables. J'ai un exemple. Nous avons des attributs. Mais si je commence à énumérer donc mes attributs à moi, je vais dire je fais telle taille, je parle, j'entends, je vois. À un moment donné, j'aurais plus rien à dire. Je vais m'arrêter parce que mes attributs à moi, ils sont limités. Je peux les compter. À un moment donné, ça s'arrête. Mais les savants ont dit qu'il est obligatoire d'en connaître 13 concernant Allah, qui sont fréquemment cités dans le Coran. Alors je vais citer donc ces 13 attributs qui sont obligatoires à savoir pour chaque personne responsable. Et je vais expliquer. Alors le premier attribut qui est l'existence. Alors il faut savoir que Allah Ta'ala il existe et que son existence n'a pas de début. Car si son existence avait un début, donc ça voudrait dire automatiquement qu'il est une créature, qu'on l'aurait créé. Et tout ce monde, il témoigne en fait de l'existence de Allah. Tout comme la construction, elle témoigne que quelqu'un l'a construit. Donc il n'y a pas une construction sans celui qui l'a construit, il n'y a pas un livre sans son auteur, et il n'y aurait pas tout ce monde, tout cet univers, sans son créateur qui est Allah Ta'ala, qui est Dieu. Le deuxième attribut, qui est le non-commencement. Donc on revient à dire que Allah Ta'ala n'a pas de début. Car s'il avait un début, il serait créé, il ne peut pas être créature et créateur en même temps. On ne peut pas être deux choses à la fois. Comme si je dis, par exemple, une personne ne peut pas faire 1m80 et 1m70 en même temps. Ou un objet ne peut pas être blanc et noir en même temps. Ça, la raison saine
La raison logique, elle le réfute. Elle ne peut pas l'accepter. Troisième attribut, excusez-moi, qu'il a non-fin. La non-fin, donc Allah Ta'ala, il lui est impossible l'anéantissement. Donc tout ce monde est voué à l'anéantissement, hein, hormis Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, c'est l'éternel, et s'il avait une fin, automatiquement, il aura un début. Quatrième attribut, qui est l'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unicité, Allah est unique. Unique qui veut dire qu'il n'a pas d'associé. Allah Ta'ala, il est unique en ses actes, unique en ses attributs et unique en son entité. Donc, on ne peut pas avoir un attribut, c'est-à-dire que Allah n'a pas d'attribut semblable à nos attributs, hein, et ses actes ne sont pas comme nos actes. Cinquième attribut, qu'il a non-ressemblance aux créatures. C'est-à-dire que Allah Ta'ala ne ressemble aucunement aux créatures. Il ne ressemble pas à la lumière, il ne ressemble pas à l'obscurité, il ne ressemble pas à un être humain, il ne ressemble pas à un corps palpable ou impalpable, car Allah Ta'ala a créé toutes ces choses et ne leur ressemble pas. Alors je vais vous donner un exemple clair, net et précis. On prend l'exemple de l'être humain. L'être humain, donc, nous avons une forme, nous sommes limités dans un espace. Et nous avons eu besoin de celui qui nous a spécifié par ses attributs. Je m'explique. L'être humain, il fait telle taille, telle largeur, telle longueur, tel poids, telle couleur. Est-ce que nous avons décidé d'avoir ces caractéristiques? Non, puisque avant, on n'existait pas. Donc, automatiquement, on a eu besoin de celui qui nous a spécifié par cela. Donc, si Allah nous ressemblerait, si Allah avait une forme, automatiquement, il aurait eu besoin, lui aussi, de celui qui l'a spécifié par cela. Et ça, c'est totalement illogique. Alors, on entend, là, je parlerai par rapport aux mouvances telles que les wahhabites et les salafis, hein, qui disent que Allah Ta'ala s'est établi sur le trône, s'est assis sur le trône. C'est totalement faux. Allah, dans le Coran, il dit dans plusieurs versets qu'il a créé le trône, l'arche. Donc s'il a créé l'arche, donc l'arche a un début. Donc avant de créer l'arche, le trône n'existait pas. Donc il n'avait pas besoin du trône. Allah Ta'ala, lui, n'a pas de début. Il existait sans le trône. Et après l'avoir créé, il existe toujours sans le trône. Donc il y a pas mal de versets qui traitent de ce sujet. Je vais le développer, Inch'Allah, dans une prochaine audio. Donc je vais continuer. Le sixième attribut qui est la science. Donc Allah Ta'ala, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et il sait toutes choses avant même de les avoir créées. Et la science de Allah, elle est parfaite. Allah Ta'ala, il sait toutes choses. L'être humain est ignorant de certaines choses, mais sa science peut augmenter, diminuer. Alors concernant la créature, c'est une flatterie que de dire qu'une personne, sa science augmente. Mais concernant Allah, le fait de dire que sa science diminuerait, bon, déjà c'est pas une flatterie ni pour l'être humain ni pour Allah, mais de dire que la science de Allah augmenterait, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il était ignorant d'une chose qu'il a appris par la suite. Et l'ignorance, c'est une imperfection. Le septième attribut qui est la puissance. La puissance. Allah Ta'ala, on sait qu'il est puissant sur toute chose. Et rien ne peut contrer sa puissance. Il est puissant sur toutes ses créatures. Le huitième attribut qui est la volonté. La volonté, on sait que Allah Ta'ala a voulu toutes choses avant même de les avoir créées. Même le discours que je suis en train de vous faire maintenant, Allah Ta'ala, il l'a voulu dans le non-début. Et tous ses attributs n'ont pas de début. Donc même sa volonté n'a pas de début. Allah l'a voulu dans le non-début. Le neuvième attribut qui est la vue. Allah Ta'ala, il voit toutes choses. Mais Allah, il n'est pas concerné par les distances car il n'est pas localisé. Nous, à une certaine distance, on voit moins jusqu'à qu'on ne voit plus rien si on s'éloigne. Mais Allah Ta'ala, lui, il voit toutes choses. Même l'araignée qui se cache au fin fond de la mer sous une pierre, Allah Ta'ala, il la voit.
Rien n'échappe à sa vue. Et Allah, il ne voit pas avec un œil, comme l'être humain. Il ne voit pas à une distance. Allah, il voit sans comment. Dixième attribut qui est l'ouïe. Allah Ta'ala, il entend tout. Il entend toutes choses. Donc nous, on est localisé dans un endroit, donc si ce bruit est éloigné, on va l'entendre moins. Si on se rapproche, on va mieux l'entendre. Allah Ta'ala n'est pas localisé dans un endroit, donc Allah Ta'ala, il entend toutes choses. Le onzième attribut qui est la parole. Donc c'est un attribut en fait qui demande beaucoup de détails. C'est pour ça que les savants ont appelé la science de l'unicité ilmul kalam, c'est-à-dire la science de la parole. Alors au sujet de la parole, Allah Ta'ala, faut savoir qu'il parle, mais pas comme ses créatures. Je m'explique. Nous savons que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que le Coran est écrit en arabe. Mais ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala parle la langue arabe. Je vais vous donner un exemple. Un exemple tout simple. Si j'écris le mot feu sur une feuille, et si je demande à quelqu'un, touche cette feuille, est-ce qu'il va se brûler? Non. Et si je lui demande, qu'est-ce qu'il est marqué sur cette feuille? Il va me dire, mais c'est le feu. Mais est-ce que c'est le feu en lui-même? Non. Si je mets ma photo et que je demande à quelqu'un, regarde sur cette photo, c'est qui ça? Il va me dire, mais c'est toi, Sunnite 1. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Non, c'est ce qui exprime Sunnite 1. Donc, ce que je voulais expliquer, en fait, c'est que le fait que le Coran soit écrit en arabe, c'est simplement l'expression de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu en elle-même. D'ailleurs, les lettres que l'on trouve sur le Coran, l'alif, ba, ta, tha, qui constituent donc l'expression, les versets du Coran, Allah Ta'ala les a créés. La langue arabe a été créée. Donc je vais, Inch'Allah, dans une prochaine audio, façon détaillée davantage sur ce sujet. Et je vais passer au douzième attribut qui est la vie. Donc la vie, Allah Ta'ala, il vit. Mais sa vie n'est pas comme celle des créatures. Donc notre vie à nous, elle est conditionnée par le fait de manger, le fait de boire, le fait de se reposer, dormir. Nous avons un cœur, nous avons le sang qui circule, hein, et après on meurt. Notre vie, elle a une fin. Hein, elle a un début, elle a une fin. Mais la vie de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et elle n'est pas conditionnée. Notre vie à nous, elle est conditionnée. Et le 13e attribut, qui est le non-besoin. Donc le non-besoin, Allah Ta'ala, il faut savoir qu'il n'a besoin de rien. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de manger, de boire, de travailler, pour gagner de l'argent, pour vivre. Nous avons besoin de nous asseoir. De nous asseoir quand on est fatigué. Les chrétiens et les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah Ta'ala a créé la terre et les cieux en 6 jours. Puis il s'est assis sur le trône. Hein, ils disent, le jour du dimanche, le jour du repos. Le jour du repos. Mais nous les musulmans, qu'est-ce que nous disons? Allah Ta'ala a créé la terre et les cieux en 6 jours. Bah, il faut savoir que si Allah avait voulu créer la terre et les cieux en un instant, il aurait eu la puissance de le faire. Mais Allah, il a créé la terre et les cieux en 6 jours pour nous enseigner la patience, pour nous enseigner de faire chose par chose. Voilà. Allah Ta'ala n'a pas besoin de s'asseoir. Le fait de s'asseoir, c'est un besoin. Le fait d'être fatigué, c'est une faiblesse. Et Allah Ta'ala, il n'est pas concerné ni par les faiblesses, ni par la fatigue, ni par le besoin. Donc cette science de l'unicité, la croyance, c'est la science qui prédomine sur toutes les autres sciences. Les prophètes ont été descendus, il y en a eu 124 000, et ils sont descendus pour nous enseigner cette croyance. Ils ont été envoyés par Dieu. Dieu qui ne ressemble pas à sa créature. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné durant 13 ans cette science aux compagnons. Durant 13 ans. Et seulement après, ils sont passés à la pratique. Donc ça, c'est la base de tout. Donc la prochaine fois, inshallah, hein, je vais parler des différentes mouvances, et d'une mouvance en particulier, qui se font appeler salafis, moi je les appelle les pseudo-salafis, mais qui sont les wahhabites, et qui n'ont pas du tout cette croyance-là.
Eux, ils disent que Allah s'assoit, ils disent que Allah a des mains, ils disent que Allah a une forme, et ces gens-là osent nous parler de logique. La prochaine fois, inshallah ta'ala, on va parler de ça, inshallah, et je vais vous prouver que ces gens-là, ils divisent la communauté. Moi, mon but, je vais vous le dire, c'est de rassembler tous les sunnites, tous les musulmans sur une seule vérité. Car la vérité est logique, la vérité est une. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.